Salut, salut, bienvenue! Quatrième semaine du challenge! Ça va chauffer les cuisses ce soir! Je suis chaud bouillant! T'aimes bien la nouvelle coupe de cheveux aérodynamique? Donc on a, comme d'habitude, 20 minutes de cardio. On a 5 exercices. Le top du top pour renforcer vos cuisses, vos fessiers. Ça va brûler un max de calories. J'espère que vous êtes en pleine forme tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc on n'a pas besoin du tapis ce soir, simplement pour la partie abdos. Donc vous pouvez le mettre de côté. Préparez bien une bouteille d'eau les amis. Et comme d'habitude, les options sont proposées. Donc gérez votre effort. Choisissez les options en fonction de votre niveau. Donc il nous reste 4 entraînements pour ce challenge du mois de mai. Je compte sur vous. L'entraînement est court, on donne tout ce qu'on a, on envoie la patate, on envoie un max d'énergie et c'est comme ça qu'on va chercher nos résultats. Pensez à bien vous hydrater, d'accord, avant l'échauffement, pendant les phases de repos. Donc 20 secondes de phase de repos entre chaque exercice. Allez, en place, on est parti donc pour les étirements. Allez, on y va, donc pieds sous les hanches, on prend une grande inspiration. Tranquille, on se grandit un maximum, on envoie les bras au plafond. Donc allez chercher le plus haut possible. On relâche tranquillement, on enroule les épaules vers l'arrière, facile, et on va tranquillement venir étirer l'avant de la cuisse. Donc on appuie sur une jambe, attraper le coup de pied, on essaie de garder le talon au niveau des fesses, et chercher à serrer les fessiers pour augmenter l'étirement à l'avant de la cuisse tout simplement. Allez, ici même jambe en avant, d'accord, jambe tendue, vous venez fléchir votre jambe, vous prenez appui sur la jambe fléchie, et vous descendez le buste vers l'avant. Donc tranquillement on descend et on cherche, en gardant donc le talon et les orteils au sol, on cherche à étirer l'arrière de votre cuisse. Donc les étirements sont courts, tranquillement, petite durée, et on fait la même chose de l'autre côté. Vous reprenez le premier étirement, le talon au niveau de la fesse, bras tendus, poitrine haute. Voilà, une petite mise en route, tranquille. Ok, la suite, même chose, jambes tendues devant. Allez, on fléchit la jambe d'appui, descendez tranquillement. Donc ici, très important, gardez la jambe tendue, d'accord? Ne cherchez pas à aller plus bas si la jambe n'est pas tendue. Parfait, on souffle bien. On va finir avec un dernier étirement, donc au niveau de la hanche. Donc tout simplement, vous passez au sol. Donc ici, le genou en retrait par rapport à votre hanche. Vous envoyez la jambe devant, poussez vos hanches vers l'avant, vers le sol, et vous sentez l'étirement. Donc sur le niveau du psoas, donc le muscle à l'avant de la hanche, d'accord? Donc en général, on a pas mal de tension par ici. Donc n'hésitez pas à l'étirer régulièrement pour avoir plus de mobilité dans vos mouvements. Ok, en inverse, même chose de l'autre côté. Vers l'avant, un grand pas. Pareil, même position. Poussez vos hanches toujours vers l'avant. Soufflez bien. Et on va pouvoir tranquillement se redresser. Allez, redressez-vous et on attaque avec des petites impulsions droite et gauche. Donc on active tranquillement la fréquence cardiaque, on fait monter l'intensité sur quelques minutes avant de passer aux choses sérieuses. Ok, la suite, on passe en talon-fesse. Donc ici sur place, vous cherchez à bien monter les talons pour bien échauffer donc l'arrière de vos cuisses. Donc montez bien les talons, activez les bras. On essaie d'être dynamique, d'accord? Donc on a un appui sur les pointes de pied. Excellent, on fait ça encore pendant 5 secondes. Et la suite, on va passer donc sur des montées de genoux. Donc en avant cette fois-ci, d'accord, montée de genoux. On peut y aller tranquille pour commencer. Le but, c'est tout simplement de se mettre en route. Voilà, et puis plus le temps passe, plus on essaie de mettre de l'amplitude. Donc on aura des montées de genoux pendant la séance tout à l'heure, d'accord? Allez, encore 3, 2, 1... On relâche, parfait. Petit échauffement des poignets. Donc faites-moi des rotations. C'est bon ça, on est 13 en live. Donc salut aux derniers arrivés. Salut Chalou, salut Clémence. Allez, faites-moi des belles rotations de poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Donc la surprise du jour, c'est qu'on va faire la marche de l'ours. Donc voilà, que du bonheur, que des bonnes choses. Ok, on continue l'échauffement au niveau des cuisses. Donc on passe en position de fente alternée, donc gardez les pieds au niveau de vos hanches, ok? Gardez un espace entre chaque pied, on fait un grand pas vers l'avant, on descend en position de fente, et on revient en position initiale toujours, ok? Donc ici on alterne une jambe, on descend bien, puis l'autre. Un grand pas vers l'avant, redressez-vous, et ici on cherche donc à activer les fessiers, ok? Donc serrez le maximum,
On va réchauffer tout ça tranquillement. Allez, on descend. Hop, parfait. Donc essayez de garder cet écart entre vos deux jambes pour maintenir l'équilibre, ok? On garde l'écart, on descend bien, on fait un grand pas vers l'avant. Et donc on aura des fentes également pendant la séance. Parfait, encore. Encore une fois de chaque côté, donc une à gauche, une à droite, et on passe en position de squat. Donc position de squat, vous écartez légèrement les pieds, plus large que vos hanches, vous descendez sur vos genoux, en poussant les fesses vers l'arrière, d'accord? Donc on descend, et on remonte. Donc vous poussez bien les hanches vers l'arrière, d'accord? C'est le début du mouvement. Vous descendez les fesses, et on remonte. Et donc une fois que vous êtes à l'aise, vous mettez un peu plus d'amplitude dans le mouvement. Un peu plus d'amplitude. On pense à bien souffler. Et on pousse fort sur les talons, ok? Donc poussez bien dans le sol. Allez, encore 5. 4. 3. Et après, on va finir l'échauffement avec la marche de l'ours. Votre exercice favori. Ok, marche de l'ours. On appuie sur les mains, donc au sol. On appuie sur les pointes de pied. On va venir ajouter ici la main droite et la jambe gauche. Donc main droite, jambe gauche, et on avance jambe droite et bras gauche, ok? Donc on inverse à chaque fois. 4 pas vers l'avant, 4 pas vers l'arrière. Donc c'est l'échauffement, il va tranquille. Familiarisez-vous avec le mouvement. On pense à bien souffler. Parfait. Donc les genoux ne touchent pas le sol. On est au ras du sol, on serre bien les abdos. Et donc on fait des grands pas vers l'avant et vers l'arrière. Un peu de coordination. On termine l'échauffement là-dessus, ok? Allez, encore 10 secondes comme ça. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc j'espère que ça va pour tout le monde et pour les derniers arrivés. J'espère que vous êtes en forme. C'est la 4e semaine du challenge. Je compte sur vous. Allez, 3, 2, 1. Et voilà, je suis excellent. Allez, pause boisson. Pause boisson, excellent ça, on est 17, c'est cool. Salut Maxime, salut Lisa. J'espère que ça va, hydratez-vous bien. On attaque dans 30 secondes. Je coupe le chat dans quelques instants. Donc 4 séances, ça nous fait 2 heures d'entraînement. En 7 jours, c'est largement faisable, ok? Je compte sur vous. Yes, tout est ok. On est parti, donc 40 secondes d'effort par exercice. Hop. Allez, let's go. Je lance le timer. On commence tout simplement avec des kicks. Donc, on en appuie sur les poignets, d'accord? Je vous montre tout ça. On appuie comme dans la marche de l'ours. Et on va venir faire une rotation à droite, puis à gauche. Allez, c'est parti, 40 secondes. Donc voici la première option. Prenez votre temps, ok, c'est le premier tour. On souffle bien. Et si on est à l'aise, on va chercher jambes tendues. Donc faites une belle rotation. Allez chercher loin sur les côtés. Chacun son option, ok? Donc jambes tendues, on serre la cuisse, on serre les abdos. Et on reste en appui sur les pointes de pied ici. Allez, droite et gauche. Il reste 10 secondes. Donc l'option, je rappelle, c'est tout simplement de garder la jambe fléchie. Faites-moi une belle rotation des épaules. Et on relâche, excellent. Allez, debout, on enchaîne. Une fente à gauche, une fente à droite et un squat. Donc je vous montre ça, on a 20 secondes de pause. Donc vous allez faire une fente, le deuxième côté, et on enchaîne sur un squat. Fente, fente, squat. Et on recommence, 3, 2, 1, let's go. Une à gauche. Une à droite et le squat. L'option plus dure, impulsion, impulsion, le squat. Droite, gauche et le squat. Droite, gauche et le squat. Donc choisissez votre option, aucun problème. Gérez votre rythme. Faites juste le mouvement sur une amplitude complète, d'accord? Prenez votre temps, on descend bien et on enchaîne. Allez tout le monde, il reste 10 secondes, 10 secondes. Let's go. Gauche, droite et le squat. Et ça, ça picote les cuisses. Un excellent combo pour renforcer les fessiers. Ok. Parfait. La suite,
punch, bras tendus. Ok, donc montez les genoux. Allez chercher dynamique vers l'avant. Serrez les triceps, un peu de renforcement sur le haut du corps. 3, 2, 1. Let's go. Allez, droite-gauche. Donc bras tendus. On active le bras opposé au genou. L'option, on peut y aller tranquille, d'accord? Comme d'habitude, gérez votre effort. On essaie juste de repousser nos limites, ok? On a 20 minutes d'effort, donc on y va à fond. L'entraînement est court. Allez, encore, encore, 15 secondes. Yes, dynamique, dynamique. On va commencer à sentir l'intensité. Et ça, c'est bon. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Oh. La suite. Marche de l'ours. Yes. C'est bon ça. Comme un échauffement. Restez au ras du sol, d'accord? Prenez votre temps. On alterne la main et le bras opposé. Allez-y tranquille. 4 pas vers l'avant. 4 vers l'arrière. 3, 2, 1. Let's go. Allez, 4 en avant, 4 en arrière, chacun son rythme. Ne cherchez pas à vous caler sur moi, gérez votre effort. Faites-moi le plaisir de serrer vos abdos et soufflez bien surtout, d'accord? On essaie de ne pas rester en apnée. On souffle. Il reste 20 secondes. Si jamais c'est trop dur pour vous, prenez une pause, aucun problème. C'est pas une compétition, on y va tranquille. Allez, encore 10 secondes. Hop, en avant. Parfait. Allez, il reste 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. C'est bon ça. Ça va commencer à chauffer sur l'avant des cuisses. La suite, on repasse sur des squats. Ok? On fait 3 squats et on remonte. Si on est à l'aise, on fait 3 squats et une impulsion. Donc 3 petits squats, ça donne ça. 1, 2, 3 et on décolle. 1, 2, 3, et si on veut, on remonte, j'ai entendu, tout simplement. 1, 2, 3, on remonte. Donc ici, essayez de garder le focus sur vos fessiers, ok? Descendez bien, serrez vos fessiers, on essaie de les engager au maximum. Et si on est à l'aise, on envoie l'impulsion le plus haut possible. Hop, 1, 2, 3, et on décolle. Donc voilà notre cinquième exercice pour aujourd'hui. Waouh! Ça commence à chauffer sérieusement déjà. La fin du premier tour. 3, 2, 1. Ok. Hydratez-vous. Hydratez-vous. 20 secondes, on repart depuis le début. Ok. C'est bon ça. Donc facile. Reprendre les kicks. Rotation à droite. Focus sur la rotation des épaules. Ok. 3, 2, 1. On est parti. Let's go. Rotation, prenez votre temps. Voilà l'exercice complet. Et si on veut, j'ai entendu, si on peut, impulsion, boum, dynamique, de chaque côté. Donc gérez vos efforts, ok? Il reste 20 secondes. Allez tout le monde. Sans aucun problème, on peut repasser sur l'option plus cool. N'hésitez pas. 10 secondes. Hop. Droite et gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Excellent. Deuxième exercice, vous vous rappelez? Une fente à droite, une fente à gauche et le squat. Allez, c'est bon ça. Oh. 5 secondes. Et on est parti. 3, 2, 1. Let's go. Allez, une fente à droite ou à gauche et on revient en position de squat. Gauche, droite. Gardez le focus sur la flexion de vos genoux, d'accord? Descendez bien. Pour de l'efficacité, on cherche à descendre un maximum de profondeur et d'amplitude. 20 secondes. On peut finir sur les impulsions si on est à l'aise. Gauche, droite, squat. Gauche, droite. Et le squat. Allez tout le monde. Wow. Soufflez bien. 4, 3, 2, 1. Ah. Vous sentez ça? C'est bon ça. On enchaîne.
Lève de haut en haut, allez. Droite, gauche. Bras tendu. Allez, 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 on essaie ici de garder la même cadence du début à la fin. Allez, cherchez bras tendu. Faites l'effort. Dynamique. Droite, gauche, à bloc, 20 secondes. Oh. Allez, 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 allez. N'oubliez pas, on essaie de repousser ses limites. Au bout, au bout, au bout, au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ok. Bon. Excellent tout le monde. Ah. La suite. Marche de l'ours. Marche de l'ours. Et après les 3 squats. Ok. Et on termine le deuxième tour. En place. 3, 2, 1. Let's go. Allez, en avant. On reste au ras du sol. N'allez pas trop vite. Parfait. 1, 2, 3, 4. Et on recule. Ah, parfait. On continue comme ça. Prenez votre temps. Essayez de faire ça bien. Ok. Focus sur la qualité de vos mouvements. Et pas sur la quantité. Il reste 15 secondes. Allez tout le monde. 10, 9, on tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Ok. On enchaîne. 3 squats, 3 petits squats. Et on redresse. Si vous êtes à l'aise, si vous avez encore de l'énergie, hop, envoyez une bonne impulsion. Un beau saut, mettez l'énergie. 3, 2, position de squat. Let's go. 1, 2, 3. On décolle si on peut. L'option, c'est toujours mal, hein, tranquille. Ok, on engage les fessiers. Et on essaie de garder le regard droit devant. Hop. 1, 2, 3. Il reste 20 secondes. Allez, tout le monde. 1, 2, 3, et on décolle. 1, 2, 3, allez, 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 on y va. C'est maintenant qu'on va chercher les résultats. 6, 5, 4, tenez le coup. La dernière. Les jambes sont lourdes. Relâchez rapidement vos jambes, vous pouvez les secouer. Prenez une gorgée. Il nous reste 2 tours. 10 minutes d'effort. Yes. On y retourne. Premier exercice, les kicks. Droite et gauche, faites-moi des belles rotations. Let's go. Allez, allez, allez. Droite. Gauche. Donc décollez bien la main du côté où vous tournez. Allez, prenez votre temps. Wow. On enchaîne. On vient de passer donc la moitié de l'entraînement. J'espère que ça commence à bien transpirer chez vous. Avec le kick, si vous le pouvez, boum, de chaque côté, 10, 9, on enchaîne, oh, 4, 3, 2, la dernière, oh, ok, bon, la suite, debout, fente, fente, squat, la combinaison. Allez, let's go. En position, pieds sous les hanches. En avant. 1, 2. Et le squat, on descend bien. En bas, en haut, n'allez pas trop vite. Essayez de serrer au maximum. Donc les cuisses, les fessiers et surtout les abdos. Wow. Excellent, on descend bien. Allez, 20 secondes. On y va, vous êtes prêts? On essaie de finir si on peut avec les impulsions. Go. 1, 2, le squat. 1, 2, squat. Oh, on y va. Au bout, 3, 2, 1. Ok. Ah. Et ouais. Voilà un bon entraînement. On enchaîne. Genoux et punch. Bras tendu. 5 secondes, on est prêt? L'option, je le rappelle toujours, hein,
sans l'impulsion, mais on reste dynamique. Allez, tout le monde, allez. Let's go. Droite, gauche. Yes, 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 yes. 40 secondes. On essaie de garder cette cadence. Montez les genoux, montez. Allez. On arrive tranquillement vers la fin du troisième tour. Tenez bon. 10 secondes tout le monde, 10. Allez chercher vos bras tendus. Jusqu'au dernier instant. 3, 2, 1. Ah. Oh. Excellent. C'est pas le moment de lâcher. On enchaîne. Marche de l'ours. Yes. C'est bon ça. Allez, 5, 4, en place, main au sol, on appuie sur les orteils, let's go, 1, 2, 3 et 4, allez, allez, restez au ras du sol, faites-moi des belles amplitudes et un beau mouvement, on essaie de garder la lucidité malgré la fatigue qui commence à s'installer, allez, 1, 2, 3, si vous avez besoin de repos, arrêtez-vous maintenant, aucun problème. Les autres, on enchaîne. Il reste 10 secondes. Allez, on enchaîne. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Ok. Cinquième exercice. 3 squats. Et impulsion, si on peut. Yes. 3 petits squats, 3 rebonds. Gardez les fesses en arrière. 3, 2, 1. Go. 1, 2, 3. Impulsion si on peut. Donc aidez-vous des bras pour aller chercher un peu plus haut, d'accord? On reste bien dynamique. L'option tranquille, sans impulsion. Ça doit brûler ici, à l'avant des cuisses, d'accord? Donc serrez un maximum. Serrez les fessiers. Allez, hop. Il reste 19 secondes. Soufflez bien, ne restez pas en apnée. Aïe, 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 les cuisses sont lourdes. On tient bon. 7, 6, 5, les dernières secondes. Ah, ok. Wow. Oh. Allez tout le monde, il reste 5 minutes. Je compte sur vous. N'abandonnez pas. 5 minutes, 5 exercices. Et après ça, on peut s'écrouler au sol. 5 secondes, on repart sur le kick. En place. Let's go. Allez, rotation. 5 minutes. 5 minutes de cardio. Allez. On donne tout sur les 5 dernières minutes. Et on aura tout le temps de récupérer après ça. Allez, tout le monde. Pensez à votre objectif. Allez. On est là pour tout donner. On sera en plus grande forme après ça. 15 secondes. Jambes tendues si on peut. Boum, gauche. Tendue à droite. Hop, encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, wow. Oh, oh, oh. Oh. Ok. 4 minutes tout le monde. On se rappelle? Fente, fente et squat. On y va dans 5 secondes. Pieds sous les hanches. Gardez le buste droit. Let's go. 1, 2 et le squat. Boum. Encore. Gauche. Allez, descendez bien sur la jambe arrière, toujours. On fléchit le genou arrière. On descend et on se redresse. Si vous le pouvez, on y va pour les 20 dernières secondes. Vous êtes prêts? Avec l'impulsion, let's go. Gauche, droite, squat, dynamique. Allez, allez, allez chercher la boulule. 7 secondes, on tient bon. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Ok. Oh. Oh. Les amis, il reste 3 minutes. C'est pas le moment de lâcher. On y va jusqu'au bout. Genoux alternés. Et le punch. 3, 2,
1, let's go. Chacun son rythme. 3 minutes d'effort. Boum, boum, serrez vos abdos. On essaie de contracter tout ça, ok? Allez, on peut finir sur l'impulsion. Dynamique. Allez, 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 tout le monde. Oh, essayez de garder la même énergie dans votre exercice. On essaie de rester bien gainé. Entrez le ventre. Il reste 12 secondes. Les derniers instants. Rapide. 4, 3, 2, 1. Ok. Oh. Oh. Marche de l'ours. 3 squats. Et c'est terminé. Wow. Après ça, ce ne sera qu'un bon souvenir. On y va au sol. 3, 2, 1, go. En avant, 4 pas. Allez tout le monde. Nous sommes dans les 2 dernières minutes. Et ce sera tout. Et il restera quelques abdos. Allez. Encore, encore, encore. Wow. Soufflez bien. On va au bout de l'effort. N'oubliez pas, on est là pour se challenger. Il vous reste en tout 1 minute. 1 minute de cardio. Allez. 10, 9, 8, 7. On tient bon. Le challenge. 3, 2, 1. Ok. Wow. Allez, 40 secondes de challenge. 3 squats. 3 squats. Et on se redresse. On y va dans 10 secondes. Vous êtes prêts? Allez, 40 secondes à fond. Je compte sur vous. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Et on décolle. Aidez-vous des bras. Encore, encore, encore. Dynamique. Les derniers instants pour la partie cardio. Allez chercher la brûlure. On pourra récupérer après ça. Il vous reste que 20 secondes. 20 secondes et c'est tout. Allez, 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 allez. Gardez amplitude sur les 3 squats. Descendez bien. Jusqu'au bout. 10, 9, jusqu'au bout. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Wow. Ok, on relâche. C'est terminé. Excellent. Allez, reprenez votre souffle. Wow. Wow. Allez, bravo à tous, bravo à toutes et à tous. Allez, prenez le temps de bien souffler. J'espère que ça a été de votre côté. Wow. Allez, relâchez un peu les cuisses. Vous pouvez marcher sur place. Secouez rapidement vos jambes, droite, gauche. Yes, Valérie! C'est bon ça! Oh, Marjo! Yes, Taliesine! Hydratez-vous, les amis! Pensez-y un maximum! Et voilà comment libérer le rhinocéros qui est en nous! Comme d'habitude! Mon travail, c'était un bon challenge! Oh! On récupère 30 secondes, on enchaîne sur les abdos. On a deux exercices. Deux exercices à combiner, 4 fois. Ok? Yes, Elena! C'est bon, ça! Waouh! J'espère que ça a bien chauffé chez vous. Chez moi, ça a bien piqué sur avant les cuisses. Et puis, comme d'habitude, le maillot, on a bien mouillé le maillot. Les cuisses en feu, et ouais! On est là pour ça. Allez, deux exercices d'abdos. Préparez le tapis ou la serviette, ce que vous avez sous la main. 30 secondes par exercice, tout simplement. On y va. On va travailler le bas du ventre, ok? On travaille le bas du ventre, focus. Allez, let's go. On reste sur le dos. On reste sur le dos du début à la fin, ok? 30 secondes par exercice. Allez. Donc on garde la tête au sol, on décolle les deux pieds et on est parti, les mains tendues, les bras tendus le long du sol, le long du buste et on décolle le bassin, ok? On enroule.
baisse du sol. Donc soufflez bien, directement. Si vous ne pouvez pas décoller les fesses, aucun problème, essayez de les décoller légèrement et surtout, enroulez le bassin, d'accord? Enroulez le bassin vers votre buste. Donc on enroule, on serre le bas du ventre. Allez, on a 30 secondes par exercice. En haut, en bas. Ok, relâchez. 10 secondes de pause. Deuxième exercice, on redécolle les pieds. On alterne une jambe après l'autre. Let's go. Allez, tranquille. Donc ici, on essaie de limiter la cambrure des lombaires, d'accord? Donc rentrez le ventre, engagez au maximum les abdos. Et si vous êtes à l'aise, décollez les épaules et on y va. Extension complète, d'accord? Bras et jambes. On inspire, on souffle. Ne restez pas en apnée. On souffle bien. Allez, reste 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Excellent. C'était le premier tour. Décollez les pieds. Et on est parti. Bras tendus. Let's go. On enroule le bassin. Et on décolle les fesses. Si vous le pouvez, essayez de contrôler la descente. Ok. N'allez pas trop vite. Waouh. Ça doit brûler dans le bas du ventre. Donc serrez un peu plus les abdos. On continue. Les dernières secondes. Soufflez bien. Oh. Allez. Derniers instants. Oh, ok. On relâche. Parfait tout le monde. Exercice numéro 2. On redécolle les pieds comme d'habitude. Hop. Une jambe après l'autre. Let's go. Donc focus sur le bas du ventre. On renforce cette partie au maximum. Essayez de rester bien gainé. On rentre tout ça et on souffle bien surtout. Épaules décollées si on peut. On inspire. Wow. N'hésitez pas à revenir sur l'option à la baisse, ok? On y est presque. On souffle bien. 3, 2, 1. Ok, wow. Allez tout le monde, il reste 2 minutes. 2 minutes. On décolle les pieds et on enroule le bassin vers le buste. Let's go. Allez, on rentre au maximum les abdos. On serre tout ça. Wow. Soufflez bien. Wow. On tient le coup. Prenez une pause s'il le faut et on repart quelques instants. Focus sur la qualité de vos mouvements jusqu'au bout. Wow. On essaie de garder le contrôle. Allez. Ok, relâche. Oh, oh. Il reste 1 minute 30. Deuxième exercice. On alterne jambe gauche, jambe droite. En place, c'est parti. Une jambe tendue. Et l'autre jambe. Allez. Soufflez bien. Limitez l'amplitude si vous avez la moindre douleur dans le bas du dos, d'accord? On essaie déjà d'engager les abdos profonds. Pour cela, soufflez bien. Focus sur la respiration. Allez tout le monde. Oh, il nous reste 1 minute. Allez, 3, 2, 1. Oh, relâchez, 10 secondes. Dernier tour. Bras tendus le long du buste. Décollez les pieds. On est parti, enroulez le bassin. En haut. Et on revient tranquillement. En haut. Et on contrôle la descente. Allez tout le monde, on tient le coup. Le plus dur est fait maintenant. Hein. On y va. Oh. Il reste 40 secondes d'effort au total. 40. Et après, ce sera terminé pour aujourd'hui. On y est presque. Allez. Ok. 30 secondes. C'est faisable. 30 secondes d'exercice. Décollez les pieds. On est parti, bras tendus, on alterne, jambe gauche, jambe droite. Dernier challenge, si vous êtes à l'aise, décollez les épaules, allez chercher l'extension, et on ramène, on inspire, et on souffle. Allez, 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 presque. Wow. 8, 7, 6, 5,
3, 2, 1, et relâchez. Oh, oh. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ok. Oh. Oh. Allez, vous pouvez bien récupérer. Excellent travail tout le monde. J'espère que vous avez bien senti le travail dans le bas du ventre. Oh. Excellent travail, bravo à toutes et à tous. Bravo pour votre engagement dans le challenge. Allez, pensez à bien vous hydrater surtout. Bravo à toutes celles et ceux qui ont fait l'entraînement en replay. Ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ces entraînements. Donc merci à tous. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Mettez un petit like à la vidéo. Mettez un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Je vous répondrai très rapidement. Donc on se voit dans 2 jours. Il nous reste 3 entraînements pour ce challenge du mois de mai. Donc merci encore. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. On se voit très bientôt. Ciao, ciao.